Jimmy from All You Need in English with Jimmy. And to this lesson, you're going to learn the month of the year. Are you ready? Let's do it. Nous saluons tout le monde et nous disons bienvenue sur Channel Paula qui c'est All You Need in English with Jimmy qui signifie tout ce que vous besoin en anglais avec Jimmy. Donc, si c'est pour la première fois que vous cliquez sur Channel, ça nous invite pour capable abonner avec Channel là. Et puis, c'est petit cloche là, une manière pour capable, eh bien, recevoir toute prochaine leçon que nous avons postée sur Channel ça. Et si vous êtes habitué, ça veut dire vous habitué à garder nous déjà, mais vous pouvez abonner. Vous m'en lis opportun pour capable faire ça, pour capable abonner et faire partie de famille ça. Ou même qui déjà abonné avec nous déjà, vous connaissez déjà. Hats off, chapeau bas, merci d'être à bord. Jeudi, à nous pour apprendre les mois de l'année. OK? The months of the year. OK? The months of the year. OK? The months of the year. Les mois de l'année. OK? Donc, n'a gardé bouche moins, n'a tant des façons que me prononcer, nous même pour nous capable répéter yo même genre. OK? All right. Let's go. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Donc, n'a tout dit en passant que les mois et les jours, le WAP écrit une phrase, quel que soit côté que vous placez dans la phrase là, ou supposé commencer yo par une lettre majuscule. Quel que soit l'été dans la phrase là, quel que soit l'été dans le début phrase là, quel que soit l'été dans la fin phrase là, depuis c'est non yon mois WAP écrit ou bien non yon jour, ou supposé commencer par une lettre majuscule. OK? Par exemple, si on dit lundi, on va écrire Monday en anglais. OK? Monday avec M majuscule. Si on va écrire January, on va écrire January avec J majuscule. On va dire mardi, mardi qui c'est Tuesday ou bien Tuesday, on va commencer avec T majuscule. On va dire December, on va commencer avec D majuscule, quel que soit côté que ou à écrire dans une phrase. OK? Donc, c'est tout ça que tu as pour nous dire ensemble avec aujourd'hui concernant les mois. Et n'après, une prochaine fois pour une prochaine vidéo. May God bless you all. Have a nice day. Bye bye.